Bonsoir. Bonsoir, mes deux mères. Bonsoir. Ça fait un bail. Non, c'est bien. Il y a 5 minutes. Oh, hier. Bon, vous savez combien de fois je vous ai demandé en mariage dans Mamma Mia? Beaucoup trop. Il est pugnace, le garçon. Il n'a jamais lâché. Oui, bah, n'empêche que vous avez dit oui à chaque fois. Vous avez dit oui 627 fois. Ah oui, quand même. Bon, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avouez qu'il est pas mal, non? C'est vrai. En attendant, on n'a jamais reçu la pension alimentaire, donc tu sais quoi? Oui, mais ça, c'est pour Mamma Mia 2. Oui, mais money, hein. Laurent, tu es là? Laurent, Mamma Mia 2. Le message. Retour? Non, toujours pas. Ok. Donc. Ça va être dur ce soir. Ouais. Et donc. On est là pour une chose importante. Voilà. Remettre. Le premier, c'est. Attends. Le trophée de la meilleure reprise. Ah. La reprise. Ah, c'est beau. Les reprises. C'est très beau. Ouais. C'est un spectacle qui revient et qui s'inscrit dans un nouvel air du temps. Ouais, ce sont des comédiennes qui, 30 ans plus tard. Passe le relais à une nouvelle génération de comédiennes. Ce sont des comédiens qui, 30 ans plus tard, reprennent le même rôle. Il faut qu'on parle, les gars. Tu dis ça pour moi? Non, pas du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est très, 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 très sexiste, hein, toute cette histoire. Je trouve aussi. Et donc, les nommés pour le trophée de la reprise sont... Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? Les Franglaises. Le Roi Lion. Ou la Belle Vie, les 5 de cœur. Et enfin, The Opera Locos. Le trophée pour la meilleure reprise est décerné à The Lion King. Au nom de tous les artistes, de toutes les équipes, de Stage Entertainment, reprendre le Roi Lion après 13 ans de fermeture et un petit intervalle avec beaucoup de spectacles n'était pas une évidence. On l'a repoussé en plus pas mal de fois avec le Covid. De 4 mois en 4 mois, on se demandait ce qu'on allait faire. On se demandait si la reprise allait pouvoir fonctionner en novembre l'année dernière. Rappelez-vous de la situation. Et puis ça a été un succès. Il faut féliciter toutes les équipes qui sont capables de mettre en œuvre ce genre de spectacle. Les équipes techniques, les équipes commerciales, financières, gérer un bâtiment comme ça pour accueillir 1600 personnes tous les soirs. Et puis évidemment les équipes techniques et artistiques qui sont absolument géniaux. Donc félicitons-les. Bravo.